Alléluia. Te disons merci Seigneur pour ta grâce. Te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté. Nos yeux sont fixés sur toi, Maître du ciel et de la terre. Toi les dieux de vie, toi les dieux d'amour, toi les dieux de paix. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons gloire. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci de nous accorder encore l'opportunité ce soir de nous tenir dans ta présence. Merci de bénir chaque détail, chaque aspect de nos vies. Nous te bénissons, Éternel et Dieu Tout-Puissant, et nous te rendons toute la gloire. Les dieux de la vie, merci Seigneur pour la vie. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Maman Mado, que Dieu vous bénisse, Maman Blandine. Soyez bénis, Maman Marika, soyez bénis. Maman Maria, soyez bénis. Abondamment, n'est-ce pas? Que Dieu vous fasse du bien. Nous sommes là encore, ce soir, bénis dans l'océan pour prier. Que Dieu se souvienne de vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Baya kita katika kemu kenanga polele. Alléluia. Pasala kinyo. Alléluia. Oba kotisa kumoinanga na mulili. Merci Seigneur. Kas molimo aso kisi elikana motema no yengo ya sika. Alléluia. Konanga nyaweza. Alléluia. Kolenanga nako bagelo kote pelo nyaweza. Alléluia. Nanga konanga nako bagelo kote pelo kote. Alléluia. Alléluia. Soki nkola yungisi mori wala kisi takoshe na kule. Alléluia. Juste un temps de répit et le récupérant de flanc qu'à mon lili. Païe là-bas, stratégie à souper. Et païe pena, il la met à souper. Thank you.
Ces gens me disent tout simplement, j'ai été distrait, j'ai ouvert la porte, j'ai laissé les portes ouvertes, mais l'ennemi a profité, venu avec de nouvelles stratégies, il a amené de nouveaux géants, n'est-ce pas, pour me terrasser, mais je n'aurai peur de rien, parce que je sais que celui qui tient ma vie entre ses mains, il est celui qui me protège, il est celui qui me garde. Nous allons élever nos voix, bénis dans le ciel. Nous allons élever nos voix vers le roi des gloires. Nous allons le bénir, maître du ciel et de la terre. Nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons et nous te glorifions, grand roi de l'univers. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes de nous tenir dans ta présence. Nos yeux sont fixés sur toi, grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions et nous te magnifions. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, merci Seigneur de glorifier ton nom, de manifester ta gloire dans nos vies. Ô nom puissant de Jésus, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour, les dieux de paix, nous te bénissons, nous te louons, maître du ciel et de la terre, nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire, maître du ciel et de la terre. Glorifie ton nom, manifeste ta gloire, nos yeux sont fixés sur toi, Dieu Tout-Puissant, que tu étendes ta main de grâce dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu manifestes ta gloire, maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom et manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, toi l'Éternel et Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom, manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié, au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous louons ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, notre Seigneur, notre Dieu. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ton règne, nous proclamons ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci grand roi de l'univers. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Glorifie ton nom, manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel notre Dieu, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour.
pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta bienveillance, pour le sang qui a été versé à Golgotha, pour le sang de la nouvelle alliance. Nous bénissons ton Saint-Nom, Maître du ciel et de la terre. Que tu glorifies ton nom, que tu manifestes ta gloire au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur, merci grand roi de l'univers, merci pour ton amour, merci pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Dignes-tu toi le grand roi, dignes-tu toi le maître du ciel et de la terre, toi qui es assis sur le trône éternel, toi qui vis et qui règne à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu tout-puissant, nous te bénissons. Alléluia. Merci grand roi de l'univers, au nom de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, grand roi de l'univers. Gloire et louange à toi, éternel Dieu tout-puissant. Seigneur, merci de venir ce moment au nom de Jésus. Voilà, bienvenue dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur. Ce soir, nous levons, n'est-ce pas, combat contre les mouches et moustiques. Les mouches, nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, que l'ennemi, n'est-ce pas, il se déguise en ange de lumière. Satan prend la forme des animaux, prend la forme, n'est-ce pas, du règne animal. Il prend cette forme-là, de la même manière, bien-aimé, qu'il a séduit Adam et Ève, n'est-ce pas, en passant par le serpent. 2 Corinthiens 11, le verset 3. 2 Corinthiens 11, le verset 3, on explique clairement, n'est-ce pas, bien-aimé, comment il a pris la forme. La forme du serpent, bien aimé, pour séduire Adam et Ève. Et nous savons, la parole de Dieu nous dit clairement. De Corinthiens, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il a pris la forme des serpents. De la même manière, bien aimé, Satan se déguise en ange de lumière. La Bible le dit clairement, Satan lui-même, il n'est donc pas étonnant. 2 Corinthiens, le verset 14, il n'est donc pas étonnant. Et cela n'est donc pas étonnant, n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Hein? Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé? Satan prend la forme de le règne animal, bien-aimé, il a le contrôle sur le règne animal. Il a les contrôles depuis la chute d'Adam et Ève. Ils ont régné, ils ont lieu, ils lui ont donné, n'est-ce pas, bien-aimé, le règne de la terre. Il a les contrôles sur le règne animal. Donc, il prend la forme de n'importe quel animal, bien-aimé. Il utilise les qualités naturelles de certains animaux, n'est-ce pas, bien-aimé, pour aller faire du mal aux gens. Le but du diable, bien-aimé, c'est de nous faire sortir de la volonté de Dieu, de pervertir les voies droites de Dieu. Et cela, bien-aimé, Satan le fait parce qu'il a la haine, il a la jalousie, bien-aimé, dans l'océan vis-à-vis de l'être humain. C'est pourquoi il manifeste la méchanceté, bien-aimé, dans l'océan. Satan, bien-aimé, en lui, il n'y a pas l'amour. En lui, il n'y a que la haine. Même les hommes qui les servent, ils sont loin de s'imaginer la méchanceté et la haine du diable vis-à-vis d'eux-mêmes. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé? Donc, nous ne devons pas être distraits afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ne soyons pas distraits, bien-aimé. Lèvons-nous, bien-aimé, dans l'océan contre toutes les ruses. C'est pourquoi notre lutte, bien-aimé, nous nous levons contre les ruses du diable, Éphésiens 6, le verset 11. Nous nous levons contre toutes les ruses du diable, parmi lesquelles, bien-aimé, il fait les camouflages, il fait la transformation, il fait, bien-aimé, ou des projections astrales. Il s'est transformé, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Toujours, n'est-ce pas, pour pouvoir pervertir les voies droites de l'homme, pour pouvoir, bien-aimé, faire du mal à l'être aimé, les faire sortir de la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous voyons, bien-aimé, dans le Seigneur, Satan utilise aussi les mouches. Hein? Nous voyons, bien-aimé, dans le Seigneur, que dans la parole de Dieu, on parle des mouches. On parle des mouches, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque nous lisons Matthieu 12, le verset 24, les pharisiens ont entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, le prince des démons. Belzéboul, ça veut dire, bien-aimé, dans le Seigneur, le prince des mouches. Prince des mouches. Nous voyons autrefois, bien-aimé, Acasia tomba par le treillis de sa chambre haute et il fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit, 2 Rois 1, le verset 2, allez consulter Baal-Zébub, Dieu des cons, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur,
Est-ce qu'il n'y a parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu des cons? Voyez, n'est-ce pas, bien-aimé? Donc Dieu sait que c'est une divinité. La divinité en soi n'est rien, bien-aimé, ce n'est qu'une image. Mais derrière la divinité se cache un démon. Et le démon qui se cache, bien-aimé, derrière cette divinité-là, bien-aimé, c'est Baal-Zébub. Ou Baal-Zébub. N'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur? Baal-Zébub. Et Baal-Zébub, Zébub, ça veut dire tout simplement mouche. Mouche ou moustique. Mouche ou moustique. Ouais, n'est-ce pas? Les dieux venus dans le Seigneur qui étaient vénérés, qui étaient adorés à Ekron. Mais en réalité, bien aimé, il s'agit d'un démon. Il s'agit, bien aimé, d'un des princes qui sont en train de seconder le diable. C'est un des princes de l'enfer. Et bien aimé, ce prince, n'est-ce pas, ce démon, il était adoré par les Philistins à travers d'une image. Et on l'appelait, n'est-ce pas, le dieu Baal-Zébub. Bienvenue dans le Seigneur. Il s'agit d'un démon, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Et ce démon, bien aimé, était représenté sous l'apparence d'une grosse mouche. Pourquoi les mouches viennent dans le Seigneur? Les mouches ont la particularité, viennent dans le Seigneur, d'aller seulement là où il y a de la saleté, là où ça pue. Et il y a des mouches aussi, bien aimé, même qui sont venimeuses, qui piquent sous forme de moustiques. Donc, d'une part, bien aimé dans le Seigneur, nous avons affaire, n'est-ce pas, aux esprits, aux démons, à la puissance de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie a une particularité, c'est la saleté. La sorcellerie, bien aimé, a une des particularités, c'est la saleté. Et vous allez voir, c'est là qu'il y a de la saleté, là qu'il y a des odeurs. C'est là que, bien aimé, les mouches, n'est-ce pas, bien aimé, sont en train de missionner. À cause des odeurs, à cause de ce qui pue. Ça attire les mouches. Les mouches, bien aimé, ce sont des démons. Vous savez, l'une des particularités des mouches, bien aimé, dans le Seigneur, c'est que les mouches, quand elles sont quelque part bien dans le Seigneur, vous allez voir, quand vous allumez la lumière, les mouches sont un peu agitées. Elles cherchent là où bien dans le Seigneur, il y a là où ça sent. Et puis les mouches ont un bruit qui est tellement embêtant. Une seule mouche peut te mettre mal à l'aise. Toi, un homme, un grand gabarit comme moi, mais une seule mouche me perturbe. Son bruit, vous savez, il fait des bruits de manière à t'énerver. Elle fait des bruits de manière, tu te sens énervé, tu n'es pas à l'aise. C'est comme ça avec les démons, bien dans le Seigneur. Lorsqu'il y a, vous vivez une vie de péché, bien aimé, vous ouvrez la porte aux démons. Les démons vont vous mettre mal à l'aise, vous ne serez pas heureux. Ils vont vous enlever la paix, ils vont vous enlever la joie, ils vont vous enlever la tranquillité. C'est comme ça, Belzébul, l'autre fois, on disait, Jésus chassait les démons par Belkiel, le prince des mouches, le prince des démons. C'est un bien dans le Seigneur, un des esprits, n'est-ce pas, qui seconde Satan, le diable. C'est des esprits supérieurs, de l'enfer, qui sont, n'est-ce pas, bien aimé, qui viennent après le diable lui-même. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ces esprits ont la particularité, bien aimé, c'est de mettre les hommes mal à l'aise, de détruire la vie des hommes. Les dieux des ordures, les dieux de la saleté. C'est vraiment, bien aimé dans le Seigneur, la première hiérarchie, n'est-ce pas, des esprits méchants. Et bien aimé, ces esprits, bien aimé dans le Seigneur, ah oui, sont des esprits, n'est-ce pas, bien aimé, qui détruisent des villes, qui détruisent des hommes. Donc, c'est vraiment des esprits de saleté. Alléluia. Voyez, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? C'est pourquoi nous allons nous lever. Nous lever, bien dans le Seigneur. Autrefois, les Égyptiens aussi, ils étaient jugés. La quatrième plaie, n'est-ce pas, bien-aimé, nous montre combien... ils adoraient, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, cette divinité-là.
et qui étaient jugées par Dieu. Chacune des plébéisations était, n'est-ce pas, un jugement infligé à une divinité égyptienne. Et la quatrième, ou la quatrième plaie, ou le quatrième jugement, bien évidemment, c'était les mouches. Dieu a suscité des mouches. C'était même la divinité des mouches qui avait été jugée par Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Exode 8, on voit bien évidemment à partir du verset 20 jusqu'à 24, la divinité, n'est-ce pas, bien évidemment, des mouches qui avaient été jugées. Et bien évidemment, le Seigneur, ce sont des esprits de la sorcellerie. Des esprits bien-aimés qui cherchent absolument des esprits dominateurs, des esprits manipulateurs. Et en même temps, des esprits destructeurs. Les démons qui viennent pour piquer la vie. Vous savez, même quand vous avez une mouche, des mouches, n'est-ce pas, des moustiques, n'est-ce pas, qui viennent, qui vous piquent, n'est-ce pas, ils vous enlèvent le sang. Bien-aimés, ce sont des esprits mangeurs de chair et buveurs de sang. Bien-aimés, nous allons nous lever, n'est-ce pas, contre ces esprits méchants. Gloire à Dieu, parce que la Bible dit clairement, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Nous allons lire ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, Luc 10, le verset 19. Lisons ensemble Luc 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir nous a déjà été donné, bien-aimé dans le Seigneur. Malgré tout ce que ces esprits méchants. En fait, c'est la puissance de la passe, ce sont les esprits, les mouches, n'est-ce pas? Les mouches, bien aimé, symbolisent, n'est-ce pas, bien aimé, la saleté, là où il y a la saleté, là où il y a les odeurs. C'est la puissance de la sorcellerie. Et les Philistins ont trouvé, ils adoraient ces dieux-là. C'est là que Ozias, l'un des rois de Samarie, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, il a envoyé les gens aller consulter cette divinité. Et vous savez ce que Dieu lui a dit? Lorsque le prophète va rencontrer des gens en chemin, Dieu va dire à Élie, oui, l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu des crocs? Le verset 16. Il lui dit quoi? Il lui dit, ainsi par l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, Dieu des crocs. Comme si il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Voyez-vous, n'est-ce pas, venu dans le Seigneur? Dieu dit, voilà, c'est Dieu là derrière, c'est n'est qu'un esprit. C'est n'est qu'une idole, peut-être, je ne sais pas, c'est représenté, n'est-ce pas, bien, par une mouche géante. Mais derrière, bien, cette mouche géante, n'est-ce pas, bien, qui n'est qu'une figure inanimée, se cache, n'est-ce pas, bien, un esprit méchant, un démon. Dieu dit, ce démon-là ne fera rien pour te prouver que je suis au contrôle de tout. Voilà pourquoi, bien, dans le ciel, nous allons élever nos voix. Nous allons rendre grâce au Seigneur, n'est-ce pas? Celui, bien-aimé, dans le Seigneur qui est capable, n'est-ce pas, de neutraliser, bien-aimé, ces esprits de mouches qui viennent pour infecter nos vies. Ce sont les démons, bien-aimé, qui viennent infecter les vies, infecter les familles, bien-aimé, rendre les familles, bien-aimé, dans le Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur, indigestes, infectes, souillés. Bien-aimé, ce sont les esprits qui viennent souiller les vies, souiller les familles, souiller les relations. Infecter les relations, infecter les vies, infecter les familles, infecter les finances des gens. Donc, quand ils infectent, ça devient, n'est-ce pas, une relation impure à la consommation. Ça, ce sont, bien-aimés, le Seigneur, les esprits, les mouches. Ce sont les démons qui viennent pour salir, pour infecter, pour souiller.
Les esprits impurs, les esprits des souillures, ce sont les mouches et les moustiques. Il y en a qui viennent maintenant piquer, bien aimé, dans le Seigneur. Piquer, bien aimé, pomper le sang, boire le sang. Les esprits mangeraient, buvaient de sang. Nous allons élever nos voix, bien aimé, pour dire Seigneur, merci pour la vie. Élève la voix, n'est-ce pas, dit Seigneur, Seigneur, merci pour ta victoire ce soir dans ma vie, dans ma famille. Alléluia. Invoque le sang de Dieu, n'est-ce pas, pour sanctifier ta vie. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Commence à invoquer la puissance du sang qui a été versée à Golgotha. Rends grâce au Seigneur pour l'œuvre de la croix, pour le sang de la nouvelle alliance. Nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce, éternel Dieu Tout-Puissant, pour le sang qui a été versé à Golgotha, pour le sang de la grâce et de la faveur, pour le sang de la nouvelle alliance. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire. Merci, Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, toi qui es assis sur le trône éternel, toi qui es assis sur le trône de victoire, nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre. Glorifie ton nom, manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, éternel Dieu Tout-Puissant. Lève-toi, Seigneur, manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu. Merci, merci pour ta grâce. Merci, éternel notre Dieu, pour ton amour. Merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ta victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons élever nos voix, n'est-ce pas? Nous allons proclamer trois fois Jésus est vainqueur. Bien-aimé, nous allons nous lever contre, bien-aimé dans le Seigneur, là, contre, bien-aimé, nous allons nous lever, n'est-ce pas, bien-aimé, contre, alléluia, Belzébul. Nous allons lever, bien-aimé, nous allons marcher sur, nous allons lever contre Belzébul, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons lier Belzébul, n'est-ce pas, les princes des démons. C'est ça, bien-aimé, les princes, n'est-ce pas, bien-aimé, des mouches, les princes des démons. Alléluia. Les princes des mouches. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous lever contre. Nous allons, n'est-ce pas, lier Belzéboul. Nous allons, bien-aimés, marcher sur le Belzéboul. Au nom puissant de Dieu, lier cet esprit, bien-aimés, à certains démons gothiques. Vous allez voir, bien-aimés, les gothiques, n'est-ce pas, ils s'habillent en noir. Bien-aimés, c'est vraiment un démon gothique. Alléluia. Nous allons lever les hommes. Nous allons marcher, bien-aimés. Nous allons lier, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, Belzéboul, n'est-ce pas? Au nom puissant de Dieu, proclamons trois fois, Jésus est vainqueur. Un, deux, trois, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus, bien-aimé, lèvons-nous, bien-aimé, prions, n'est-ce pas, contre, n'est-ce pas, bien-aimé, Belzéboul, n'est-ce pas, bien-aimé, les seigneurs des ordures. Alléluia, tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons, nous proclamons ta victoire. Nous marchons sur le Belzéboul. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous nous lèvons contre Belzéboul. Au nom puissant de Jésus, nous nous lèvons contre Belzébul. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, nous nous lèvons tendre Père contre Belzébul. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que Belzébul soit neutralisé. Nous nous lèvons, nous lions Belzébul, nous lions Belzébul, nous les chassons dans les arides. Tendre Père, qu'il retourne dans son milieu d'origine. Au nom puissant de Jésus, nous marchons, Seigneur notre Dieu, sous l'esprit de Belzébul. Au nom puissant de Jésus Christ, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous nous lèvons contre Belzébul, nous nous lèvons contre Belzébul. Tendre Père, nous ordonnons Belzébul de retourner dans son milieu d'origine. Au nom puissant de Jésus Christ, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Bienvenue dans le Seigneur. C'est le Seigneur des ordures, n'est-ce pas, de la saleté. C'est la pudeur, l'esprit de la sorcellerie. Nous allons lever contre l'esprit de la sorcellerie. Nous allons lever contre la puissance de la sorcellerie. Proclamons trois fois, bien-aimés. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de tendre Père. Alléluia. Lève-toi, bien-aimés, contre la puissance de la sorcellerie. L'esprit de sorcellerie. Éternel, notre Dieu, nous proclamons ta victoire. Nous nous lèvons contre la puissance de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom.
Maître du ciel et de la terre, que tu t'élèves dans ma vie, Seigneur, dans la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous lèvons, éternel, notre Dieu, contre la puissance de la sorcellerie. Nous marchons sur la sorcellerie. Nous marchons sur les œuvres de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous marchons sur la puissance de la sorcellerie. Nous marchons sur les œuvres de la sorcellerie et toutes leurs manifestations. Au nom puissant de Jésus, quelle que soit la forme de la sorcellerie, nous nous lèvons, tendre Père. Nous nous lèvons contre les œuvres de la sorcellerie, les puissants de l'occultisme, nos puissants de Jésus. Nous marchons sur la sorcellerie. Nous marchons sur la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, notre Dieu, merci. Merci, Seigneur Dieu, pour ta victoire. Nous marchons sur les esprits de la sorcellerie. Nous marchons sur la puissance de la sorcellerie. Nous marchons sur la puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus, et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Les incantations, nous brisons les incantations. Nous brisons, Seigneur notre Dieu, les œuvres, la puissance de l'occultisme. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, la victoire du sang de la nouvelle alliance, les dieux de victoire, les dieux de grâce et de faveur, éternel Dieu tout-puissant, que tu t'élèves dans tous les détails, tous les aspects de nos vies. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, toi qui es assis sur le trône éternel, toi qui es assis sur le trône de victoire, que tu t'élèves dans nos vies, que tu t'élèves dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci pour ta grâce, merci pour ton amour et pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu éternel, Dieu tout-puissant, merci pour toutes tes grâces, merci grand roi de l'univers, pour ta bonté, pour ton amour infini, au nom puissant de Jésus, nous t'élèvons à la plus haute place, nous te bénissons éternel, Dieu tout-puissant, nous te rendons toute la gloire, au nom puissant de Jésus, gloire et louange à toi éternel, Dieu tout-puissant, gloire et louange à toi éternel, Dieu grand et redoutable, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté, au nom puissant de Jésus. Oh éternel Dieu tout-puissant, merci. Gloire et louange à toi, éternel Dieu grand et notable. Tu es digne d'être très loué et très célébré, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Gloire et louange à toi, éternel Dieu tout-puissant. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons nous lever, n'est-ce pas, bien-aimé. Nous allons continuer à prier, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons continuer à prier, bien-aimé. Nous allons invoquer, bien-aimé dans le Seigneur, le, alléluia, le feu du Saint-Esprit. Les mouches, bien-aimés dans le Seigneur, vont là où il y a les ordures. Baisez-vous, ça veut dire les seigneurs, les dieux des ordures, n'est-ce pas, bien-aimés? Les ordures symbolisent, n'est-ce pas, la sorcellerie. Les ordures symbolisent la sorcellerie, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les sorcières, bien-aimés, utilisent les démons, n'est-ce pas, pour infecter les vies des gens, pour suer les familles, pour suer les relations. Mais nous allons lever, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, contre tous ceux, bien-aimés, les prêtres sataniques, les sorciers. Alléluia. Nous allons lever contre les sorciers qui soient de nos familles, qui sont de nos bien-aimés, qui cherchent, n'est-ce pas, à suyer nos vies, à détruire nos familles, à détruire notre destinée, à détruire nos finances, bien-aimés, à infecter nos familles, infecter nos relations, infecter nos familles, à rendre bien-aimés, nos relations infectes, à rendre bien-aimés, nos relations impropres, à rendre bien-aimés, nos finances, nos biens matériels, bien-aimés, impropres, bien-aimés, dans le Seigneur, infectes. Bien-aimés, nous allons nous lever, n'est-ce pas, que le feu de Dieu neutralise et paralyse, bien-aimés, alléluia, les sorciers, n'est-ce pas, bien-aimés, qui cherchent à nous infecter par les esprits, alléluia, par les esprits impurs, alléluia. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit, nous allons lever, n'est-ce pas, contre, que le feu de Dieu, n'est-ce pas, neutralise et paralyse les sorciers, alléluia, bien-aimés, qui nous envoie, n'est-ce pas, bien-aimés, les esprits impurs, n'est-ce pas, alléluia. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit, les trois, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, notre Seigneur, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi, tendre Père. Nous invoquons le feu dévorant contre les sorciers, les magiciens, les occultistes qui se dressent contre nos vies, contre nos familles. Tendre Père, nous invoquons le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant au nom puissant de Jésus. Et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous invoquons le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, que tu t'élèves éternel Dieu tout-puissant dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire. Nous levons contre les esprits impurs,
Les esprits impurs de nos familles, tant de nos pères, la puissance de la sorcellerie, les sorciers sur notre Dieu et les esprits de l'enfer qu'ils envoient, nous invoquons le feu pour neutraliser les sorciers. Alléluia. Le feu de neutralise les sorciers, que ce soit dans les airs, que ce soit sous la terre, que ce soit sur la terre, que ce soit dans la mer. Tendre Père, que les sorciers soient neutralisés, soient paralysés. Au nom puissant de Jésus, nous invoquons le feu de volant, le feu du Saint-Esprit, les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Dieu glaire de ta, merci de manifester ta gloire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu tout-puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Merci, grand roi de l'univers. Oh Seigneur notre Dieu, merci. Oh Rogu Yandaba, gloire et louange à toi, éternel Dieu tout-puissant. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons nous lever, bien-aimé dans le Seigneur, contre ces esprits, n'est-ce pas? Ce sont les esprits qui viennent souiller les vies des gens. Les esprits, comment on dit, les succubes et les incubes, n'est-ce pas? On parle des esprits, les mouches. N'est-ce pas, les mouches ont la qualité, n'est-ce pas, deviennent de souiller. Quand les mouches viennent s'asseoir, n'est-ce pas, sur une nourriture qui est saine, bien aimé, vont laisser venir le Seigneur, leur souiller sur la nourriture. Vont, n'est-ce pas, bien aimé, le Seigneur, souiller la nourriture. Bien aimé, nous allons prier, n'est-ce pas, bien aimé. Nous allons lever contre les esprits des maris et des femmes de nuit, comme on les appelle. Les esprits des maris et les esprits des femmes de nuit. Bien aimé, il y a aussi les esprits, n'est-ce pas, bien aimé, les esprits des sorciers. Ce sont ces esprits des sorciers, ils viennent sous forme, ils prennent la forme du Seigneur, ils viennent sous cette forme-là pour, n'est-ce pas, bien-aimés, poursuivre les gens avec des relations sexuelles impures. Parfois, ce sont les démons, parfois, ce sont les sorciers qui se transforment, qui viennent parfois dans le rêve. Mais nous allons lever, bien-aimés, dans le Seigneur, contre les esprits impurs, les esprits des maris, des femmes de nuit, les esprits des forêts. Alléluia. Nous allons proclamer trois fois le feu. Nous allons nous lever contre ces esprits impurs, les esprits des maris, des femmes de Dieu qui viennent pour suyer, bien aimé dans le Seigneur, qui suyaient les corps des enfants de Dieu, les suyaient les couples, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons proclamer trois fois, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, le feu du Saint-Esprit, et nous allons nous lever contre les esprits impurs et les esprits des maris, des femmes de Dieu. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un, deux, trois, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Nous élevons nos voix vers toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous invoquons le feu de volant, le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Tendre Père, merci. Que le feu de volant, alors consume sur notre Dieu, les esprits des maris de lui, les esprits des femmes de lui. Que ces esprits soient neutralisés, soient paralysés par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, éternel notre Dieu, que tu t'élèves dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité, nous proclamons ta magnificence. Dieu grand de ta, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu grand de ta, merci. Nous nous lèvons contre les esprits des maris de lui, les esprits des femmes de lui, que ces esprits soient neutralisés, que ces esprits soient paralysés, au nom puissant de Jésus, les dieux de grâce, les dieux de miséricorde, les dieux de l'impossible, les dieux d'amour, les dieux de paix. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Louange et gloire à toi, éternel notre Dieu. Seigneur, merci. Merci d'avoir prévu. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci. Merci Seigneur notre Dieu pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas, bien-aimé? Ce sont les esprits manipulateurs. Alléluia. Les esprits dominateurs. Nous allons bien-aimé nous lever contre la manipulation, la domination, n'est-ce pas, de ces mouches. Alléluia. Nous allons proclamer trois fois, n'est-ce pas, bien-aimé, Jésus est vainqueur.
Alléluia. Nous allons proclamer trois fois Jésus est vainqueur. Nous allons nous lever contre, n'est-ce pas, bien-aimé, toute forme de manipulation et toute forme de domination. La manipulation dans le sein de ces esprits, n'est-ce pas, de ces mouches, la manipulation, n'est-ce pas, des sorciers, la manipulation des démons, la manipulation démoniaque, la manipulation dans le Seigneur de la source. Alors, la manipulation maléfique, la domination des démons, n'est-ce pas, la domination, n'est-ce pas, des sorciers. Et nous allons voir, proclamons trois fois, n'est-ce pas, bien-aimé, proclamons trois fois Jésus est vainqueur. Un, deux, trois, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire. Nous nous lèvons contre tout ton de manipulation. Nous nous lèvons contre les esprits dominateurs, les esprits manipulateurs. Nous lions ces esprits en nos puissants Jésus. Ces esprits n'ont aucun pouvoir sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Les esprits manipulateurs, les esprits sur notre Dieu dominateur. Nous lions ces esprits, nous les lions, nous les neutralisons, paralysons nos puissants de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Oh, puissant de Jésus. Oh, Robo Yandaba. Oh, Robo Yandaba Yakaraba. Oh, Robo Yandaba. Oh, éternel notre Dieu, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Nous nous levons tendre, Père, contre. Alléluia. La domination, n'est-ce pas, des esprits impurs, contre la domination, contre la manipulation de la sorcellerie, la manipulation des esprits impurs. Nous lions ces esprits dominateurs, nous lions ces esprits manipulateurs au nom puissant de Jésus et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix, maître du ciel et de la terre, merci de glorifier ton nom dans nos vieux puissants de Jésus. Oh Robo Yandaba, Rakabayoko Robo Shikababa, Oh Robo Yandaba, Oh Robo Yakarabayoko Robo Shikababa, Oh Robo Yandaba, Rokobo Yakarabayoko Robo Shikababa, Oh Robo Yandaba, Rokobo Yakaraba, Oh Robo Yandaba. Nous allons prier, n'est-ce pas? Avant de pouvoir terminer, n'est-ce pas, bien-aimé, nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons nous lever. Alléluia. Mais nous allons nous lever, bien-aimé, contre l'esprit, n'est-ce pas? L'esprit de destruction. Nous allons nous lever contre, n'est-ce pas, bien-aimé, la destruction démoniaque, la destruction maléfique, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais ce sont des esprits aussi destructeurs. Alléluia. Nous allons nous lever contre les esprits destructeurs au nom puissant de Jésus. Lèvons-nous bien contre toute forme de destruction, n'est-ce pas? Alléluia, maléfique. Nous allons nous lever contre la destruction maléfique, la destruction satanico-diabolique au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois Jésus est vainqueur. Un, deux, trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta victoire au nom de Jésus. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Maître du ciel et de la terre, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix. Nous nous lèvons contre les esprits impurs. Éternel notre Dieu, nous nous lèvons, grand roi de l'univers, au Robo Yandaba. Seigneur notre Dieu, merci pour ta victoire. Nous nous lèvons, éternel notre Dieu, contre ces esprits au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Et merci pour ta fidélité. Lève-toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Lève-toi, grand roi, contre ce notre Dieu, la destruction méchante. Nous brisons la puissance de la destruction au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre-nous de la destruction méchante. Délivre-nous de la destruction méchante au nom puissant de Jésus. Délivre-nous de la destruction. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire. Merci, tendre Père, de nous délivrer de la destruction méchante au nom puissant de Jésus. Nous nous lèvons contre tout esprit de destruction, la destruction de nos familles, la destruction de nos vies, la destruction de notre destinée. Nous nous lèvons contre tout esprit destructeur au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Lève-toi dans les moindres détails de nos vies. Nos yeux sont fixés sur toi comme nous comptons sur toi. Maître du ciel et de la terre, merci pour la vie des dieux Zoé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant,
glorifie ton nom dans nos vies, manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié. Grand roi de l'univers, merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons nous prier, n'est-ce pas, bien-aimé. Nous allons nous lever contre, n'est-ce pas, bien-aimé, la puissance de la mort. Ce sont les mots des démons gothiques, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Sur le compte des démons gothiques, n'est-ce pas. Nous allons lever, bien-aimé, contre, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, la puissance de la mort. Alléluia. Nous allons lever contre la mort. Mais avant cela, bien-aimé, nous allons d'abord prier contre, n'est-ce pas, les esprits qui viennent pour, n'est-ce pas, bien-aimé, sucer le sang. Les buveurs de sang, les mangeurs de chair, bien-aimés. Lève-nous, bien-aimés, contre les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Alléluia. Les esprits, n'est-ce pas, bien-aimés, mangeurs, alléluia. Les sorciers, bien-aimés, dans le Seigneur, les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Lève-nous contre les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, bien-aimés, dans le Seigneur. Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Lève-nous contre les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire. Nous nous lèvons contre les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang versé à Golgotha. Nous nous lèvons contre, c'est notre Dieu, les mangeurs de chair, les buveurs de sang. Notre, c'est notre Dieu, que le Seigneur, notre Dieu, ceux qui mangent la chair, qui boivent le sang, tendre au paix, qui boivent le sang, sont neutralisés, sont anéantis dans leur pouvoir. Au nom puissant de Jésus, nous nous lèvons contre les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Tendre au paix, ils ne font pas manger notre chair, ils ne font pas boire notre sang. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient paralysés. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Éternel notre Dieu, que les mangeurs de chair et les buveurs de sang soient neutralisés, anéantis de leur pouvoir. Au nom puissant de Jésus, qu'ils n'aient pas les sang à boire, qu'ils n'aient pas la chair à manger. Éternel notre Dieu, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci pour ton règne et pour ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lever contre la mort, n'est-ce pas? Alléluia, nous allons lever contre bien-aimés dans l'océan les esprits des cimetières. Bien-aimés, lève-nous contre les esprits des cimetières et brisons la puissance de la mort. Alléluia. Bien-aimés, je me dis, lève-nous contre les esprits des cimetières et brisons la puissance de la mort. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, bien-aimés, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus. Nous nous lèvons contre les esprits des cimetières, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient brisés. Au nom puissant de Jésus, nous brisons les esprits des cimetières et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix. Nous nous lèvons, tendre Père, contre ces esprits impurs, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient brisés. Au nom puissant de Jésus, nous neutralisons ces esprits impurs au nom puissant de Jésus et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, naître du ciel et de la terre, puissant de Jacob. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ta grâce, pour ton amour, pour ta faveur, pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous nous lèvons contre ces esprits impurs au nom puissant de Jésus. Qu'ils seuls ces esprits soient neutralisés, que ces esprits soient paralysés au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'homme. Nous lions les esprits des cimetières. Nous lions les esprits des cimetières. Que ces esprits soient neutralisés, que ces esprits soient brisés au nom puissant de Jésus. Nous lions les esprits des cimetières. Que ces esprits soient liés, que ces esprits soient liés au nom puissant de Jésus. Les esprits des cimetières, les esprits des cimetières. Nous lions ces esprits au nom puissant de Jésus et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Tendre Père, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta bienveillance au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Maître du ciel et de la terre, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à corps, nous puissants de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi, les grands rois. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons prier, bien-aimé, n'est-ce pas, pour neutraliser, n'est-ce pas, les esprits de l'enfer. Alléluia. Les esprits de l'enfer, n'est-ce pas, les esprits aussi, bien-aimé, qui viennent pour détruire, bien-aimé, pour s'aimer, n'est-ce pas, bien-aimé, le Seigneur, là, les esprits de l'enfer, les esprits de destruction, les esprits de la mort aussi, bien-aimé. Nous allons lever contre les esprits de l'enfer. Alléluia. Tendre Père, lève-nous, n'est-ce pas, bien-aimé, lève-nous contre les esprits de l'enfer. Tendre Père, proclamons trois fois Jésus est vainqueur. Un, deux, trois, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix maintenant, nous proclamons ta victoire. Nous nous levons contre les esprits de l'enfer au nom puissant de Jésus. Nous lions les esprits de l'enfer. Nous proclamons ta victoire. Ton règne et ton autorité éternelle, Dieu Tout-Puissant. Que ton règne vienne. Tendre Père, merci. Nous nous levons contre les esprits de l'enfer. Qu'ils soient neutralisés. Qu'ils soient neutralisés. Qu'ils soient brisés. Les esprits de l'enfer. Que ces esprits soient neutralisés. Brisés au nom puissant de Jésus. Nous venons par la puissance du nom de Jésus. Tendre Père, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous venons au nom du nom de l'Éternel, désarmés. Nous lions ces esprits, les esprits de l'enfer. Au nom puissant de Jésus, que ces esprits soient neutralisés, qu'ils soient terrassés, terrassés. N'aucun pouvoir, n'aucun pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant. Glorifie ton et manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité, les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, les dieux de paix, les dieux d'amour, que tu t'élèves dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous louons ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ton règne. Et merci pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix, n'est-ce pas, bien-aimés? Pour terminer d'abord, nous allons nous prier, n'est-ce pas? Nous allons prier, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons nous lever contre. Bien-aimés, nous allons nous lever contre, bien-aimés, toutes. Tout esprit démoniaque, n'est-ce pas, qui s'oppose à la volonté de Dieu dans nos vies. Alors, tout esprit qui cherche à souiller nos vies, à infecter nos vies. Alléluia. Tout esprit démoniaque, n'est-ce pas, contraire à la volonté de Dieu dans nos vies, soit brisé, soit neutralisé. Mais ce sont des mouches, n'est-ce pas? Proclamons trois fois Jésus est Seigneur. Un, deux, trois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire. Nous nous lèvons contre ce notre Dieu, les esprits impurs. Les esprits impurs. Nous nous lèvons contre ce notre Dieu, ces esprits impurs au nom de Jésus. Nous lions ces esprits. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Que ces esprits soient liés. Alléluia, maître du ciel et de la terre. Merci, tendre Père, que ces esprits soient liés au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous te couronnons, roi, maître du ciel et de la terre. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Nous nous lèvons contre ces esprits impurs au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons, Dieu Tout-Puissant. Merci, grand roi de l'univers. Au Rubo Yandaba. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta victoire, éternel notre Dieu. Nous brisons la puissance de la magie, la puissance de la sorcellerie contre nos vies et contre nos familles. Au nom puissant de Jésus, et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour. Seigneur notre Dieu, lève-toi. Tendre Père, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix, pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Que ton règne vienne dans nos vies et dans nos familles. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que le sang de Dieu nous recouvre, n'est-ce pas, contre les mouches et les moustiques. Alléluia. Et les vont invoquer le sang de Dieu, n'est-ce pas, que le sang de Dieu nous couvre, n'est-ce pas, bien-aimé, nous protège contre les mouches et les moustiques. Et les vont invoquer le sang de Dieu. Tendre Père, c'est notre Dieu. Merci, c'est notre Dieu de couvrir nos vies. Alléluia, par le sang de Jésus. Préserve-nous, Seigneur notre Dieu, contre, alléluia, les mouches et les moustiques, contre ces esprits impurs. Préserve ma soeur, préserve mes frères et mes soeurs, le tendre Père. Préserve-le au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la prière. Alléluia. Rokobo Yandaba, Orobo Yandaba, Rokondo Robo Kelebe Shikaraba, Orobo Yandaba. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Au nom puissant de Jésus,
Nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons toute la gloire. Éternel, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom puissant de Jésus. Oh, Robo Yandavai. Oh, Robo Yakarabai. Loko Boyakarabai. Yoko Robo Shikababai. Oh, Éternel, notre Dieu, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Relevez nos voix, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont malades. Maman Fifi, Maman Albertine, Maman Betty, venez prier, n'est-ce pas, pour nos bien-aimés malades. Élevons nos voix. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous transportons Maman Fifi devant ton trône de la grâce. Maman Albertine, éternelle, nous leur recommandons ta grâce. Nous prions que tu te réveilles au puissant de Jésus. Merci, grand roi de l'univers. O Robo Yandava, Rakaba Yoko Robo Shikababa. Éternel, notre Dieu, merci, merci, Seigneur, notre Dieu. Rokobo Yandava, Rakaba Yoko Robo Shikababa. O Robo Yandava, nous proclamons ta victoire, tendre Père. Lève-toi dans la vie de Maman Fifi. Lève-toi, tendre Père, dans la vie de Maman Fifi. Lève-toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Dans la vie. Alléluia de Maman Albertine. Nous prions que tu la protèges. Nous prions que tu la gardes. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la puissance de la guérison dans la vie de Maman Albertine, dans la vie de Maman Betty, dans la vie de Maman Fifi. Nous proclamons la puissance de la guérison au nom de Jésus. Proclamons et confessons que Jésus-Christ est roi, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Bienvenue dans le ciel, nous allons lever, n'est-ce pas, mais contre les malédictions, n'est-ce pas, prononcées sur la journée. Nous allons annuler toutes ces malédictions. Élevons toutes les malédictions prononcées sur la journée, n'est-ce pas. Proclamons la victoire. Annulons du sang qui a été. Confessons les paroles, n'est-ce pas, positives sur notre journée. Tendre Père, nous nous levons, Seigneur, contre toutes les paroles négatives prononcées sur la journée du 9 juillet, nous puissions Jésus. Nous brisons toutes ces paroles négatives. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons, tendre Père, que nos familles sont bénies. Nous anéantissons toutes les malédictions prononcées contre nos vies. Alléluia, le jour et la nuit. Nous les brisons, nous les déclarons sans effet, nous puissions Jésus. Merci Jésus pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci pour ta victoire dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merci, tendre Père, pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Glorifie ton nom dans nos vies et manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, grand roi de l'univers. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur, élevons nos voix, commence à venir le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ta victoire. Saint-Esprit, merci pour ta victoire dans nos vies, dans nos familles. Bien-aimés, nous allons lever contre les contre-attaques après ces temps de prière. Tendre Père, merci, merci pour ta victoire. Nous nous levons contre toutes les contre-attaques du diable après ces temps de prière. Que le sang versé à la croix nous recouvre contre ce notre Dieu, les mouches et les moustiques, contre ce notre Dieu, Belzéboul. Ce notre Dieu, couvre nos vies, couvre nos familles, nos puissants Jésus. Préserve-nous, Seigneur, contre les attaques des mouches, les attaques des moustiques. Nous nous levons contre leurs attaques. Tendre Père, merci pour ta victoire. Au nom puissant de Jésus, éternel notre Dieu, merci. Nous nous levons contre les attaques des mouches, les attaques des moustiques. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, préserve nos vies. Préserve, Seigneur notre Dieu. Nous tentons, au nom puissant de Jésus, préserve le grand roi de l'univers. Merci, tendre Père, que le sang versé à la croix recouvre nos vies, recouvre nos familles. Au nom puissant de Jésus, merci pour la couverture, grand roi de l'univers. La couverture, alléluia, du sang qui a été versé à Golgotha. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci grand roi de l'univers. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'éternel notre Dieu fasse lumière sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Merci beaucoup, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse et se souvienne de vous. À bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. À bientôt. Nous continuons, bien-aimés dans la prière, n'est-ce pas? Contre, n'est-ce pas? Les animaux. Que Dieu vous bénisse, en tout cas, très bientôt. Soyez bénis. Merci.